Bonjour à vous tous qui ce matin nous suivez depuis YouTube, depuis Facebook, depuis Télénangaï. Ce matin, le Père nous accorde encore la grâce d'être assemblés en son nom. Il nous fait encore le privilège de pouvoir nous approcher de sa présence. Nous voulons ce matin élever la voix, élever nos mains, nous prosterner ou nous tenir debout dans sa présence et simplement reconnaître combien il est bon, combien il est précieux pour nous. Nous voulons reconnaître combien le Père nous a aimés bien avant la fondation du monde, bien avant que nous ne soyons conçus dans le sein de nos mères. Il était celui qui nous avait aimés, celui qui nous avait choisis, celui qui nous avait mis à part pour le connaître. Il a regardé aux milliards d'êtres humains et il nous a choisis. Il a regardé aux milliards d'êtres humains et il nous a sélectionnés. Il nous a démontré son amour de plusieurs manières. Il nous a démontré son amour en donnant Jésus-Christ pour nous. Il nous a démontré son amour en envoyant le Saint-Esprit. En envoyant le Saint-Esprit vivre à l'intérieur de nous. Il a donné l'esprit de vie. Il a donné l'esprit de grâce. Il nous a donné l'esprit de foi afin que sur la terre nous soyons avantagés. Afin que sur la terre, nous ne manquions pas de quelque chose. Il est celui qui a donné le Saint-Esprit. Et la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, Dieu est là, il est présent par son esprit. Alors mon frère, ma sœur, ce matin là où tu te trouves, réalise simplement que le Saint-Esprit est présent. Il est présent dans ta chambre, il est présent dans ton salon. Il est présent dans ta voiture, il est présent en tout lieu où tu te trouves. Et nous voulons simplement prendre le temps d'honorer sa présence, prendre le temps de valoriser la personne du Saint-Esprit. Nous voulons simplement lui demander de nous remplir, lui demander de nous inonder, lui demander de prendre le contrôle de ce temps. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Inonde ce lieu de ta présence. Inonde nos vies. Inonde notre journée. Nous avons tellement besoin de toi. Chandere bosia, lesia reketa maleboshaya. Lesia ndere boshare bosia. Viens ce matin nous inonder, Esprit de Dieu. Présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens inonder ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Dans nos vies, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Paraclet, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Dans nos cœurs, viens s'il te plaît inonder présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Dans nos cœurs, viens s'il te plaît.
ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Console la terre, viens inonder ce lieu de ta présence. Console la terre, viens ce matin. Esprit de Dieu, nous t'appelons, viens inonder inonde nos vies, nos êtres entiers. Viens inonder mon âme et mon
chacun de nous. Nous te supplions, souffle, souffle un vent nouveau. S'il te plaît, viens souffler, souffle, Esprit de Dieu, souffle un vent de rafraîchissement. Nous voulons que tu règnes, que tu prennes le contrôle. Nous te supplions, souffle dans nos vies, viens souffler dans nos pays, viens souffler. Souffle un vent de guérison dans les hôpitaux, souffle, Esprit de Dieu. Dans nos familles, souffle un vent de restauration. Nous te supplions, souffle dans nos âmes blessées. Nous te supplions, souffle un vent de consolation. Esprit de Dieu, souffle. Esprit de grâce, souffle. Oh, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît. Souffle. Ce matin, nous demandons à être saturés de toi. Car la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin, nous demandons simplement la plénitude. Nous demandons simplement à être remplis. Nous demandons simplement à être saturés, à être conduits par toi, à être enivrés par toi. C'est notre prière ce matin. Nous nous prosternons dans ta présence. Nous sommes debout, à genoux, prosternés, en levant les mains, simplement pour te dire que nous avons besoin de toi, besoin de ta plénitude, besoin de ta direction ce matin. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Alors viens nous remplir ce matin. Viens nous remplir, Père. Nous avons besoin de toi ce matin. Toi seul es digne de notre louange. Toi seul es digne de notre adoration. Toi seul es digne ce matin de notre reconnaissance. Car la Bible nous dit, dans le psaume 71, les versets 6 à 8, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour, elle te glorifie. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, ce matin, nous voulons élever la voix et glorifier notre Père.
Nous voulons publier ses louanges, car il est le Dieu qui nous a donné le souffle de vie ce matin. Il est celui qui nous accorde la grâce de respirer encore. Plusieurs sont morts, plusieurs ont quitté la terre, mais à toi et à moi, le Père a accordé la grâce d'être encore vivant. Alors est-ce que tu peux élever ta voix et publier les louanges du roi, publier les louanges de celui qui t'a donné encore la vie ce matin? Chere Mavrosia Karebasia. Abba notre Père, nous voulons ce matin te rendre grâce. Nous voulons publier tes louanges. Nous voulons te glorifier, car tu es le Dieu qui nous a donné la vie. Tu es le Dieu qui ce matin a renouvelé en nous le souffle de vie. Alors que plusieurs ont quitté la terre des vivants, Père, tu nous as fait la grâce d'être en vie. Beaucoup ont eu des accidents. Beaucoup, Père, ont quitté la terre à cause de la pandémie. Pour plusieurs raisons, Père, certains ont été enlevés de la terre. Mais nous, tu nous as fait la grâce, tu nous as fait le privilège d'être en vie ce matin. Ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Parce que rien de ce que nous avons fait hier ne pouvait nous garantir d'avoir la vie. Ce ne sont pas les prières, ce ne sont pas les jeûnes, ce ne sont pas les bonnes actions que nous avons faites, mais c'est simplement ta grâce, c'est simplement ta miséricorde qui a parlé en notre faveur. C'est pourquoi nous voulons ce matin publier des louanges. C'est pourquoi ce matin nous voulons te glorifier, car tu es l'auteur de la vie. Tu es celui qui nous donne la vie ce matin. Et dans ta parole, il est dit que tu donnes la vie aux bons et aux méchants. Tu as donné à chaque être humain ce matin la vie. Toute personne qui respire, qu'elle croit en toi ou pas, a reçu la grâce d'avoir la vie. C'est pourquoi, Père, nous voulons élever la voix et te rendre grâce. Nous voulons élever la voix et t'exprimer notre reconnaissance pour la vie que tu nous accordes ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous voulons encore élever la voix et rendre grâce au Père, car il est pour nous un puissant refuge. Il est celui qui nous a gardés depuis le ventre de nos mères jusqu'à maintenant. Jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, Dieu a été celui qui t'a protégé. Il a été celui qui t'a gardé. Peut-être que tu as eu de graves maladies, mais le Seigneur t'a donné la vie. Peut-être que tu as eu des accidents, mais Dieu t'a gardé. Et aujourd'hui, ce matin, tu es encore en vie. Alors tu vas simplement élever la voix et rendre grâce au Père, parce qu'il est le puissant refuge de ta vie, parce qu'il est celui qui te protège, parce qu'il est celui qui te garde. Depuis le ventre de ta mère jusqu'à aujourd'hui, Ebenezer, Dieu a été fidèle, Dieu t'a secouru, Dieu t'a protégé, Dieu t'a gardé. Considère toutes les choses dont Dieu t'a épargné. Considère tous les moyens que l'ennemi a voulu utiliser pour t'arracher à la vie. Mais Dieu t'a gardé. Il a été un puissant refuge. Alors est-ce que tu peux abonder en action de grâce? Est-ce que mon frère, ma soeur, tu peux simplement publier les louanges du Père, glorifier son nom, parce qu'il est le puissant refuge. Il est notre protecteur. Il est celui qui nous garde depuis le sein de nos mères jusqu'à aujourd'hui. Dieu nous a gardés. Alors mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, tu nous écoutes depuis le lit d'un hôpital. Peut-être que tu nous écoutes depuis un fauteuil roulant, mais le fait que tu respires prouve que Dieu t'a protégé. Le fait que tu sois en vie prouve que Dieu t'a gardé. Il a été un puissant refuge. Il t'a protégé. Il a éloigné de ta vie toutes les attaques de l'ennemi. Ah ben nous sommes reconnaissants, car tu es pour nous un puissant refuge. Tu es pour nous une haute retraite. Tu es pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi ce matin, nous publions tes louanges. C'est pourquoi ce matin, nous abondons en action de grâce. Alléluia. Alléluia. Nous sommes reconnaissants dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Romains 5, le verset 6 dit: car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies.
Nous voulons encore rendre grâce au Père. Nous voulons encore glorifier son nom. Car il est celui qui a donné son Fils unique, afin que nous ayons la vie éternelle, afin que nous ayons le pardon des péchés, afin que nous ayons l'assurance d'être pour l'éternité avec Dieu. Si tu es reconnaissant pour le don de Jésus, élève ta voix et rends grâce au Père ce matin pour la vie éternelle qu'il te donne. Rekezi braza reketamashaya. Père, nous sommes reconnaissants, au nom de Jésus-Christ pour le don du Fils. Nous sommes reconnaissants parce que tu as donné ton Fils unique mourir pour nous. Tu as donné ton Fils unique afin que nous soyons sauvés. Tu nous as donné la vie éternelle par Jésus-Christ. Nous te sommes ce matin infiniment reconnaissants. Les Kézi Brasia Voshaya, les Ekemalea, nous sommes reconnaissant parce que ton Fils est mort pour nous, parce que par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons reçu la vie éternelle, le pardon des péchés. Père, nous te sommes ce matin reconnaissant parce que tu n'as pas gardé ton Fils, tu ne l'as pas retenu, tu ne l'as pas épargné, mais au contraire, tu l'as donné pour nous. Les Ikalevoshaya, nous sommes ce matin infiniment reconnaissants. Infiniment reconnaissant, Père, pour le don du Fils, pour la vie éternelle que tu nous donnes, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons encore rendre grâce à notre Père. Nous voulons encore lui dire combien nous sommes reconnaissants, parce qu'il ne nous a pas simplement donné son Fils, mais il nous a donné également le Saint-Esprit. Il nous a donné le Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec nous. Il nous a donné le Consolateur, afin que le Saint-Esprit vienne dans nos vies chaque jour, chaque fois que les circonstances le demandent, pour que le Saint-Esprit puisse faire en nous une œuvre de consolation. Car la Bible dit, dans Jean 14 au verset 16, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Nous voulons ce matin rendre grâce au Père pour le ministère de consolation du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Les Ekaremazia Brosia. Élève ta voix, ma sœur, ce matin. Élève ta voix ce matin, mon frère. Et rends grâce au Père de ce qu'il t'a donné, le Saint-Esprit. Il t'a donné le Consolateur. Il a mis en toi son Esprit afin de demeurer chaque jour avec nous. Père, nous sommes reconnaissants pour le don de l'Esprit. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous as donné le Saint-Esprit, le Paraclet, pour vivre en nous et qui nous console chaque fois que les circonstances le demandent. Nous ne sommes pas seuls, mais le Saint-Esprit vient pour nous consoler. Le Saint-Esprit vient pour nous aider à pardonner. Le Saint-Esprit vient pour nous aider à faire la volonté de Dieu. Nous sommes reconnaissants, Père, de ce que tu nous as envoyé, le Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants, Père, de ce que tu nous as envoyé, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce, l'Esprit de consolation qui vit en nous. Nous sommes ce matin infiniment reconnaissants pour le Saint-Esprit. Nous avons ainsi rendu grâce, Père. Nous avons ainsi valorisé tes œuvres, valorisé tes bienfaits dans nos vies. Et nous voulons simplement dire Amen. Chers frères et sœurs, nous voulons poursuivre dans notre thème de cette semaine. Nous voulons encore prendre le temps de considérer combien Dieu utilise, valorise les relations dans nos vies. Car depuis plusieurs mois, le Seigneur nous enseigne au travers de la parabole du bon samaritain combien il est important pour nous d'utiliser toutes les ressources que le Père a mises à notre disposition afin de faire le bien. Le Seigneur nous a appris au travers de sa parole combien il utilise, combien il se sert des relations pour nous faire divers biens, diverses grâces.
Et depuis le début de cette semaine, le Père est en train de nous enseigner combien les relations sont importantes pour nous transmettre la foi. Combien de fois Dieu utilise les hommes et les femmes qu'il a placés autour de nous afin de nous communiquer, afin de nous aider à marcher par la foi. Et nous voulons encore lire notre passage qui se trouve dans le livre de 2 Rois 4, les versets 8 à 16. La Bible dit, « Un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui un lit, une table, une chaise et une lampe. Il pourrait loger là quand il viendra chez nous. » Un jour qu'Élisée repassait à Sunem, il alla donc se retirer dans la petite chambre haute et y passa la nuit. Puis il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite !» Géasi l'appela et elle vint se présenter devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi ? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « Non merci, je vis heureuse au milieu de mon peuple. » Élisée demanda à son serviteur, « Que pourrions-nous faire pour elle ?» Géasi répondit, « Hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Géasi obéit et elle vint se présenter sur le pas de la porte. Élisée lui dit, « L'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Alléluia. Ce passage que nous venons de lire nous montre comment Dieu est passé par le prophète Élisée afin de communiquer à cette femme Sunamite la foi. La femme Sunamite n'avait pas d'enfant. Pourtant, elle avait les richesses, elle avait les moyens. Elle avait certainement essayé d'aller chez les docteurs, essayé plusieurs méthodes médicales, mais elle n'avait pas réussi à avoir un enfant. Et maintenant, son mari était âgé et il semblait inconcevable pour elle d'avoir un enfant. Mais le prophète Élisée lui a donné une parole. Le prophète lui a donné une parole de foi afin qu'elle puisse croire qu'elle pouvait encore enfanter. Cette femme, peut-être qu'elle était stérile, peut-être qu'elle souffrait d'une maladie, peut-être que son mari était infertile, ou peut-être qu'il était trop âgé pour avoir un enfant. Mais il y avait un problème physique qui les empêchait d'avoir un enfant. Et au travers de la parole de Dieu prononcée par Élisée, cette femme a cru, elle a reçu la foi. Elle a reçu la foi pour croire que Dieu était capable de guérir. Elle a reçu la foi pour croire que Dieu était capable de redonner la santé à leur corps mortel. Dieu s'est servi de son serviteur Élisée afin de transmettre à cette femme la foi en la guérison divine, la foi en la santé divine. Et la Bible nous dit, dans le livre de 3 Jean, le verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Au travers de ce passage, le Seigneur nous a enseigné que la santé physique dépend de l'état de notre âme, que notre santé est proportionnelle à la santé de notre âme. Cela revient à dire que les blessures de notre âme affectent notre corps. Les blessures dans notre cœur ont un impact direct sur notre état de santé. Et ce matin, nous voulons encore prier pour les personnes dont le cœur est blessé. Nous voulons encore prier pour les personnes dont l'âme est meurtrie. Nous voulons élever la voix et premièrement rendre grâce au Père dans le nom de Jésus.
car sa volonté pour nous est que nous puissions prospérer dans notre corps et dans notre âme. Nous voulons dire merci au Père, parce que sa volonté n'est pas que nos âmes ou nos corps soient malades, mais sa volonté est que nous soyons en bonne santé dans notre corps et dans nos âmes. Si tu es reconnaissant au Père, mon frère, ma sœur, élève simplement ta voix et rends grâce au Père pour sa volonté pour toi. La volonté de Dieu est que tu prospères à tous égards. La volonté de Dieu est que tu prospères dans ton corps. La volonté de Dieu est que ton âme soit prospère. Alors élève ta voix et rends grâce au Père. Exprime ta gratitude. Exprime ta reconnaissance. Alléluia. Lekezi Brasia. Abba, nous sommes ce matin reconnaissants. Reconnaissants au nom de Jésus-Christ. Parce que ta volonté pour nous est que nous soyons en bonne santé. Ta volonté pour nous est que nos âmes soient en bonne santé. Père, merci, parce que tu es celui qui souhaite que nous prospérions, que nous soyons en aussi bonne santé, que prospère l'état de nos âmes. Tu n'es donc pas le Dieu qui nous envoie la maladie, tu n'es donc pas le Dieu qui veut nous détruire ou nous briser dans nos âmes ou dans nos sentiments. Au contraire, tu es le Dieu qui veut guérir, tu es le Dieu qui veut restaurer, tu es le Dieu qui veut que nous puissions prospérer, esprit, âme et corps. C'est pourquoi ce matin, nous te rendons des actions de grâce. Nous abondons en reconnaissance parce que tu es le Dieu qui veut nous donner la guérison. Merci notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous voulons prier le Père dans le nom de Jésus-Christ afin que les justes dans le monde soient conscients qu'il y a des niveaux de grâce, qu'il y a des niveaux de faveur, des niveaux d'opportunité qu'ils ne peuvent pas obtenir, qu'ils ne peuvent pas manifester à cause de l'état de leur âme. Nous allons prier le Père pour que les justes dans le monde soient conscients par le Saint-Esprit que certaines grâces, certaines faveurs qu'ils recherchent, ils n'arrivent pas à les manifester à cause de l'état de leur âme. Si tu as compris ce point de prière, élève ta voix, mon frère, ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Chare ketezi brarosea. Abba, notre Père, nous te prions au nom de Jésus, afin que tu rendes les justes conscients par ton esprit, que tu rendes les justes conscients, Père, qu'il y a des niveaux de grâce, il y a des niveaux de faveur, il y a des opportunités qu'ils ne peuvent pas obtenir, qu'ils ne peuvent pas manifester à cause de l'état de leur âme. Nous te prions, Père, pour que tu nous rendes conscients que notre âme affecte ce que nous pouvons devenir. Notre âme affecte ce que nous pouvons posséder. Notre âme affecte tout ce que nous pouvons manifester. Nous te prions au nom de Jésus. Rends les justes conscients par ton esprit. Illumine les yeux des cœurs. Rends-nous conscients, Père, que l'état de nos âmes affecte les grâces, affecte les faveurs, affecte les opportunités que nous pouvons manifester. Nous te demandons, notre Père, que les justes en soient conscients. Que les justes en soient conscients. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié, Père. Nous disons amen. Luc 4, le verset 18 dit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La volonté de Dieu est donc de guérir les cœurs brisés. La volonté de Dieu est de restaurer nos âmes meurtries. Nous allons donc élever la voix et prier le Père au nom de Jésus-Christ, afin que les justes dans le monde réalisent que l'une des missions pour lesquelles Jésus est venu sur la terre, c'était la guérison des âmes blessées. Élève ta voix et prie le Père au nom de Jésus-Christ. Abba, nous te prions au nom de Jésus, afin que nous puissions réaliser combien la guérison des âmes est importante pour toi. Lorsque tu as annoncé ton mandat,
lorsque tu as annoncé ta feuille de route, le premier point que tu as mentionné, c'est que tu étais venu annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'était la guérison de ceux qui ont le cœur brisé. C'était la guérison de ceux qui ont été blessés dans leur âme. Avant de guérir les corps, tu as annoncé que tu étais venu afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ta volonté pour mon frère, ta volonté pour ma sœur, n'est pas qu'il demeure comme il est, n'est pas que son âme demeure dans la tristesse, dans les blessures, non. Mais ta volonté, Père, est de guérir nos âmes. Nous te prions, Père, nous te supplions au nom de Jésus, afin que tu nous rendes conscients par ton esprit que tu es le Dieu qui veut guérir les cœurs brisés. Que tu es le Dieu qui veut guérir les âmes blessées. Nous te prions, Abba. Nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ, afin que les justes réalisent que tu es le Dieu qui veut guérir les âmes blessées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, frères et sœurs, nous voulons prendre le temps de prier pour toutes les personnes qui souffrent de rejet, pour toutes les personnes qui ne se sentent pas acceptées dans leur famille, dans leur entourage, par leurs amis. Nous voulons prier pour toutes les personnes qui ont l'impression de toujours être seules au monde, pour toutes les personnes qui ont toujours l'impression d'être incompris, de n'avoir personne qui les accepte tels qu'ils sont. Nous allons prier afin que Dieu guérisse l'âme de toutes les personnes qui souffrent de rejet. La Bible dit dans le psaume 2 au verset 7, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Nous allons élever la voix et prier notre Père au nom de Jésus pour que les justes dans le monde soient conscients que même si les hommes les ont rejetés, que Dieu, le Tout-Puissant, les a acceptés comme ses enfants. Même si leurs parents, même si leurs amis, même si leurs collègues les ont rejetés, le Père les a acceptés. Le Père déclare qu'ils sont ses enfants. Élève ta voix et prie le Père au nom de Jésus pour les justes dans le monde qui souffrent de rejet. Rezeketa Brazira Katere Marosia. Abba, nous te prions ce matin. Nous te prions, Père, pour nos frères et nos sœurs qui souffrent de rejet. Nous prions afin que tu les rendes conscients que même si leur père ou leur mère les ont rejetés, même si leur conjoint les a quittés, même si leur ami, leur environnement entier les a rejetés, qu'ils réalisent que toi, le Dieu Tout-Puissant, toi, le Créateur du ciel et de la terre, tu les as adoptés, tu as dit qu'ils sont tes enfants. Alors ils n'ont plus à ressentir un sentiment de rejet, parce que si les hommes les ont rejetés, toi tu les as acceptés. Ils ont été acceptés par le grand roi. Ils ont été acceptés par le Dieu créateur de l'univers. Nous te prions au nom de Jésus pour que les justes dans le monde réalisent que si le Père les a acceptés, s'ils sont enfants de Dieu, s'ils sont dans la famille de Dieu, cela est de loin supérieur, cela est de loin meilleur à toutes les autres personnes qui les ont rejetés. Nous te prions, Père, nous te supplions au nom de Jésus pour que les justes dans le monde réalisent dans le nom de Jésus que même si les hommes les ont rejetés, toi tu les as adoptés, toi tu les as appelés tes enfants, tu as fait de les membres de ta famille. Merci Père de ce que tu rends les justes conscients au nom de Jésus Christ. Amen. Romains 8 les versets 16 et 17 disent: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous allons élever la voix
Et nous voulons prier le Père dans le nom de Jésus, afin qu'il donne aux justes la révélation de Dieu comme étant leur Père. Nous allons prier pour les justes dans le monde, afin que Dieu ne soit pas simplement le Créateur, que Dieu ne soit pas simplement le Tout-Puissant, mais qu'ils aient la réalité, la révélation que Dieu est leur Père, qu'ils sont enfants de Dieu. Et là où leurs pères ont échoué, là où leurs parents n'ont pas réussi, Dieu le Père, lui, il n'échoue jamais. Élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma sœur, et prie le Père au nom de Jésus-Christ. Que les justes aient la révélation du Père, qu'ils le comprennent, qu'ils sont véritablement enfants de Dieu. L'apôtre Paul pouvait prier en disant que Dieu illumine les yeux de vos cœurs. Ce matin, nous prions pour que Dieu illumine les yeux des cœurs des justes, qu'il donne aux justes la révélation de Dieu comme le Père, non plus le Créateur, non plus le Dieu lointain, non pas le juge, mais Dieu comme étant le Père, comme celui qui se soucie d'eux, comme celui qui les a acceptés, comme celui qui les aime. Donne aux justes, s'il te plaît, Père, ce matin, la révélation de Dieu comme Père, car tu as dit dans ta parole que tu es le Père des orphelins, tu es celui qui veut te révéler à chaque être humain, à chaque homme, à chaque femme, comme le Père. C'est pourquoi tu as envoyé Jésus. Jésus est venu afin de nous révéler le Père. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus. Nous te supplions, au nom de Jésus, donne aux justes la révélation de Dieu comme leur Père. Là où leurs pères ont été méchants, là où leurs pères ont abusé d'eux, Père, qu'ils aient la révélation, la juste compréhension de Dieu comme le bon Père, comme le Père par excellence. Nous te supplions, Abba, au nom de Jésus, que les justes dans le monde soient conscients, que les justes dans le monde soient conscients de cela, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons élever la voix et prier le Père au nom de Jésus, afin que les justes dans le monde soient conscients que même s'ils ont vécu du rejet par leurs parents, peut-être par leur famille entière, peut-être qu'ils ont été déshérités, qu'on a même dit qu'ils ne faisaient plus partie de la famille, nous allons prier pour que les justes soient conscients que même si le monde entier les a rejetés, Dieu les a acceptés et bien plus, il a fait d'eux ses héritiers au même titre que Jésus-Christ. Si tu as compris ce point de prière, élève la voix afin que les justes dans le monde réalisent qu'ils sont héritiers de Dieu. Mon frère, ma sœur, si tu es héritier du chef d'État le plus puissant de l'univers, comment peux-tu regretter? Comment peux-tu être en peine parce qu'un homme t'a rejeté? Parce que ton père t'a laissé? Non, mon frère, ma sœur, ce matin, prie afin que Dieu te donne une bonne compréhension, une juste révélation de la parole. Que Dieu, ce matin, nous donne de réaliser que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Cela veut dire que toute la gloire, toutes les grâces, toutes les faveurs, tout ce que Jésus a, le Père nous l'a donné pareillement. Alors même si les hommes dans ce monde nous ont déshérités, même si nos parents nous ont rejetés, même si notre conjoint nous a quittés, Père, nous voulons réaliser ce matin que cela n'a pas de poids en comparaison avec le fait que nous avons été placés au même pied d'égalité que Jésus. Nous sommes co-héritiers de Christ. Cela est plus grand, cela est glorieux. C'est pourquoi ce matin, nous voulons refuser le rejet. Nous voulons refuser le rejet. Nous voulons au contraire nous réjouir de ce que là où les hommes nous ont rejetés, toi tu nous as acceptés. Toi tu as fait de nous tes héritiers et les co-héritiers de Christ. Nous sommes ce matin infiniment reconnaissants, infiniment reconnaissants de ce que tu as fait de nous, les héritiers du Père,
co-héritier avec Christ. Nous te rendons des actions de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 21, le verset 42 nous dit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. La Bible dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Les personnes qui ont rejeté Jésus ont été étonnées que finalement, ils ont dû passer par Jésus pour leur salut. Dieu est donc celui qui retourne les situations. Il est capable de prendre une personne rejetée et d'en faire une personne utile pour la société. Nous allons donc prier le Père au nom de Jésus, afin qu'ils rendent les justes conscients que même s'ils sont rejetés aujourd'hui, Dieu est capable de faire d'eux des personnes utiles, des personnes importantes pour leur famille, pour leur environnement, pour leur entreprise, pour la société en général. Élève ta voix et prie le Père, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix ce matin et prie le Père. Joseph a été rejeté par ses frères, mais il est finalement devenu le pilier par lequel Dieu est passé afin de les sauver de la famine. Dieu est capable de prendre une personne rejetée pour en faire un pilier, pour en faire une solution, pour en faire quelqu'un d'utile demain. Alors ne regarde pas à ton présent. Peut-être qu'aujourd'hui personne ne fait cas de toi, personne ne fait cas de tes avis, personne ne fait cas de tes opinions, tous te rejettent. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit qu'il est capable de retourner la situation. Il est capable de faire de toi demain un pilier, de faire de toi quelqu'un qui apportera le salut dans ta maison, qui apportera la solution à un problème dans ton entreprise, qui apportera la solution au monde entier. Dieu est capable. Il est celui qui prend la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs pour en faire la principale de l'angle. Il est celui qui prend les personnes rejetées et qui les place à des postes stratégiques, à des postes importants. Il est le Dieu qui le fait. Il est le Dieu qui le fait. Et il le fera pour toi, mon frère, si tu le crois. Il le fera pour toi, ma soeur, si tu as la foi. Crois simplement que ton présent n'est pas ton futur. Crois simplement que ta vie n'est pas encore finie, mais que Dieu est capable de renverser la situation pour toi. Charegetezia. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Nous disons amen. Luc 6, le verset 22 nous dit, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Dieu dit que nous sommes heureux lorsque nous sommes rejetés à cause de son nom. Et nous voulons ce matin prendre le temps de prier pour tous les justes dans le monde qui ont été rejetés par leur famille, rejetés par leur clan, par leur tribu, rejetés par leur cercle de connaissances, rejetés par leurs amis, parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Nous voulons prendre le temps de prier pour eux, afin que Dieu les console, afin que Dieu les fortifie dans cette épreuve, et que Dieu leur donne de réaliser que c'est un sujet de joie, c'est un sujet de gloire, que d'être rejeté à cause du Fils de l'homme. Élève ta voix et prie le Père, mon frère, ma sœur, pour les justes dans le monde qui ont été rejetés dans le monde. Requete si avose.
pour les justes qui ont quitté une religion pour une autre et qui ont été abandonnés, qui ont été rejetés. Mare Ketezia, Abba notre Père, ce matin nous voulons prier pour tous les hommes et les femmes qui ont été rejetés à cause de ton nom. Tu as dit heureux serez-vous. Nous prions Père afin que tu les remplisses de joie, que tu les remplisses de paix au milieu de ces circonstances, même s'ils n'ont plus d'amis, même s'ils n'ont plus de famille selon le monde. Que les justes réalisent que c'est une grâce, c'est un privilège, c'est une gloire que d'être rejeté à cause du nom de Jésus. L'Azikalésia, nous prions Père pour que tu les consoles. Nous prions Père afin que tu leur accordes la capacité de pardonner. Nous prions Père afin que tu les fortifies dans leur âme intérieure, afin qu'ils le réalisent Père que c'est pour leur bien, que c'est pour une gloire supérieure, que tu permets que pour un temps ils soient rejetés par les hommes. Nous te prions Père pour nos frères et nos sœurs qui sont peut-être en prison. Nous prions pour nos frères et sœurs qui peut-être maintenant vivent dans la rue parce qu'ils n'ont plus de ressources, parce qu'ils ont été abandonnés, ils ont été rejetés à cause du nom de Jésus. Nous te prions notre Père, nous te prions notre Dieu. Remplis-le de joie, remplis-le de paix. Donne leur Père la force de pardonner et d'être consolé. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, notre roi, et nous disons Amen. Amen. Nous voulons élever la voix et nous voulons déclarer sur nos vies, déclarer sur nos âmes. Car la Bible dit dans 2 Corinthiens 4, verset 13, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous voulons ce matin déclarer dans le nom de Jésus. Nous voulons déclarer que nous sommes aimés de Dieu. Nous voulons déclarer que nous ne sommes pas rejetés, mais acceptés. Nous voulons déclarer au nom de Jésus que nous sommes désirés de Dieu, choisis par Dieu. Nous voulons déclarer que même si les hommes nous rejettent, même si les hommes s'éloignent de nous, que cela n'affectera pas notre paix, que cela n'affectera pas notre joie. Car nous savons que Dieu le Père nous a acceptés en Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, élève ta voix et parle sur ton âme, parle sur ta vie. Déclare la parole de Dieu, déclare la vérité de la parole sur toi, déclare que tu n'es pas rejeté. Non, tu n'es pas rejeté, mais tu es accepté de Dieu, accepté du Père Tout-Puissant, tu es désiré de Dieu. Chalekezia, nous déclarons Père ce matin, Chalekezia, je déclare que je suis aimé de Dieu, je déclare que je ne suis pas rejeté, mais je suis accepté par Dieu, je suis désiré par lui, je suis aimé de lui, je suis le bien-aimé de l'Éternel. Alors même si les hommes me rejettent, même si ma famille m'abandonne, même si mes amis me quittent, je déclare au nom de Jésus que cela n'affectera pas ma joie, cela n'affectera pas ma paix, cela n'affectera pas ma quiétude, car je sais que le Père m'a accepté, car je sais que je suis enfant de Dieu et que Dieu jamais ne me laissera, jamais ne me rejettera, jamais ne m'oubliera. Je le déclare, je te parle à toi mon âme, je te parle à toi ma réalité, je vous parle à vous circonstances, je déclare que je suis enfant de Dieu, désiré par Dieu, accepté par Dieu. Chalésia, je le confesse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Nous voulons encore déclarer la parole de Dieu et nous voulons ce matin refuser, nous voulons dire non à toutes les pensées de l'ennemi qui veulent nous faire croire
que Dieu nous a rejetés, que Dieu nous a abandonnés à cause des situations que nous traversons. Nous allons dire, je refuse de croire que Dieu m'a rejeté. Je refuse de croire que Dieu m'a abandonné parce que mes parents sont morts. Je refuse de croire que Dieu ne s'intéresse pas à ma situation parce que cela fait des années que ça dure. Je rejette hors de mon âme tout sentiment de rejet au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, élève ta voix et déclare la parole de Dieu. Rejette ce que le Père refuse pour toi. Déclare au nom de Jésus-Christ. Nous avons cru, c'est pourquoi nous avons parlé. Alors parle pour toi-même, parle pour ta vie. Refuse les pensées de l'ennemi. Refuse de croire que parce que tes parents sont morts quand tu étais enfant, cela veut dire que tu es rejeté. Cela est faux. Rejette-les. Rejette ces pensées qui te font croire que Dieu t'a rejeté, que le monde entier ne s'intéresse pas à toi. Cela n'est pas la vérité de la parole. Refuse ces pensées au nom de Jésus-Christ. Nous rejetons, Père, toute pensée qui est contraire à la pensée de Christ. Nous refusons, Père, de croire à la réalité au détriment de la vérité de ta parole. La parole de Dieu dit que nous avons été acceptés en Christ. La parole de Dieu dit que je suis enfant de Dieu. Alors je refuse de me considérer comme rejeté. Je refuse de me considérer comme seul. Je refuse toutes les pensées de l'ennemi qui me font croire qu'à cause de la maladie, à cause de la pauvreté, à cause du manque, je ne te soucie pas de moi. Je refuse ces pensées. Je les annule dans mon cœur. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Chalézia, je suis enfant de Dieu. Je suis accepté de Dieu. Dieu m'aime. Dieu se soucie de moi. Dieu connaît le nombre de cheveux sur ma tête. Il est le Père d'amour. Il est mon Père. Chalézia. Merci Père. Merci notre Roi. De ce que tu as entendu, tous les sujets, toutes les déclarations que nous avons faites en conformité avec ta parole. Et avant de commencer notre journée, avant de vaquer à nos occupations, nous voulons prendre le temps d'implorer la grâce de Dieu, d'implorer la miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu sur notre journée, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos conjoints, sur nos amis, sur nos activités. Mon frère, ma sœur, implore la grâce de Dieu. Recommande ta journée à la faveur de Dieu ce matin. Abba, nous voulons ce matin nous recommander à ta grâce. Nous voulons ce matin nous recommander à ta faveur. Nous voulons te recommander nos activités, nos occupations, nos rendez-vous, tout ce que nous avons prévu de faire aujourd'hui. Nous reconnaissons, Père, que c'est toi qui es le maître des temps et des circonstances. C'est pourquoi nous voulons t'impliquer, t'inviter dans nos circonstances, t'inviter dans notre présent, afin que tu conduises, afin que tu guides, afin que tu sois au contrôle. Nous reconnaissons, Père, que c'est lorsque tu es au contrôle que nos journées sont réussies, que c'est lorsque tu es au contrôle que nos journées sont couvertes de grâce, couvertes de faveur. Nous nous soumettons à toi, nous dépendons de toi, Père, dans le nom de Jésus. Merci de ce que ta faveur, ta grâce, la bénédiction repose abondamment sur nous, sur nos familles, au nom de Jésus. C'est pourquoi nous voulons abonder en action de grâce. Nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te rendre la gratitude. Nous voulons te rendre nos louanges. Parce que tu es le Dieu qui nous a entendus. Parce que tu es le Dieu qui a prêté attention à nos prières. Tu es le Père. Et un Père prête toujours attention aux paroles de ses enfants. Alors merci parce que Père, tes enfants t'ont prié ce matin. Et toi, comme
tu es un bon Père, tu as entendu et tu nous exhortes conformément à ta parole. C'est pourquoi d'avance, nous voulons te rendre la louange, te rendre la gloire, te rendre la célébration, car tu en es digne, notre Père. Au nom de Jésus, c'est avec reconnaissance que nous t'avons ainsi prié, que nous t'avons ainsi rendu grâce. Nous disons Amen.